Bonjour tout le monde, nous sommes le 21 septembre 2021 et nous allons voir les énergies du mois d'octobre avec le Yi Qing. Alors la première lame, la lame 8, dont le mot-clé est la solidarité, nous avons l'eau sur la terre. L'eau en haut, la terre en bas. Et le message est « Joignez-vous à d'autres pour atteindre le succès. » Lorsque l'eau coule librement sur la terre, elle trouve une autre eau à laquelle se joindre. En restant unis, on obtient plus de succès. Ne pas attendre pour s'unir, mais se poser la question autour de qui ou de quoi. Ne pas arriver trop tard au rassemblement. La deuxième lame, la lame 44, dont le mot-clé est la rencontre, nous avons le vent en dessous du ciel. Les éléments inférieurs s'imposent. On parle de négativité. Une personne inférieure tente de déclencher l'agitation et de troubler la paix. Il faudra l'affronter directement. Le problème ne disparaîtra pas de lui-même. J'ai bien ma petite idée quant à la personne. Vous avez sans doute la vôtre. Et maintenant, nous allons voir la dernière lame. La dernière lame est la lame 13 et qui nous parle d'union entre les hommes. Et c'est le feu en dessous du ciel. C'est l'unité dans la diversité, se rassembler malgré les différences. Un feu qui brûle à ciel ouvert peut être vu de loin si les conditions sont optimales. Ce feu attirera des alliés et des âmes semblables. Il y a des opinions divergentes, mais un seul cœur relié au feu du ciel originel. C'est quand l'existence ne ressemble à un désert que nous prenons conscience d'être tous identiques. Alors, le message du jour, c'est l'unité avant tout, se rassembler le plus nombreux possible. Et il va falloir en finir avec toute cette pandémie. Alors, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.